Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78, nous sommes le mardi 17 mai, voici les titres. C'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie dans les Yvelines, une pièce de théâtre et si on se disait tout aborde la thématique avec humour pour promouvoir l'acceptation de la différence. Une comédie d'Éric Marty, auteur, comédien et metteur en scène qui est notre invité. L'Union de la gauche se lance dans la campagne des élections législatives. Les 12 candidats yvelinois de NUPES ont été présentés en fin de semaine dernière à Guyancourt. S'il s'agit surtout de profils de la France insoumise, certaines circonscriptions ont été réservées à d'autres formations. Le point à suivre. Et puis c'est une première dans les Yvelines. Ben va disposer d'un éco-garde communal. Un partenariat a été signé en ce sens et le recrutement est lancé. Quelles sont les missions d'un éco-garde? Reportage à la fin de cette édition. Mais avant de développer ces titres, c'est la grande fête du cinéma. Le 75e Festival de Cannes débute ce soir avec la cérémonie d'ouverture à 19h. Pendant la quinzaine, Radio Sensation en partenariat avec TV78 et Citizen Cannes TV est sur place. On retrouve d'ailleurs depuis la Croisette Corentin Alonso. La 75e édition du Festival de Cannes démarre aujourd'hui. Pendant 2 semaines, Radio Sensation vous proposera de rencontrer les franciliens qui font vivre le cinéma, qu'ils soient exploitants, acteurs, réalisateurs ou producteurs. La région Île-de-France, justement, poursuit son soutien à l'industrie du cinéma avec un budget annuel de près de 25 millions d'euros. Elle accompagne chaque année environ 150 films. 21 d'entre eux seront mis à l'honneur cette année au Festival de Cannes. Parmi eux, le film Coupé de Michel Hazanavicius. La région Île-de-France l'a soutenu à hauteur de 362 000 euros au titre du fonds de soutien. Il sera projeté ce soir, dès la cérémonie d'ouverture. Laurent, il devient Akira. Muriel, elle devient Natsumi. Et Anaïs, elle devient Shinasu. Et moi, je suis Ken. Par contre, rigole pas. Non, hey, je te jure, je te marre pas. C'est moi qui suis à l'écran, mec. M'étonne que je suis... C'est mon film! Tu fermes ta gueule! Tu me fais chier depuis le début des répétitions! Ah, c'est génial! Ah, oui, les que... ah, c'est un chef-d'œuvre, putain! Fais tes adieux, sac à merde! Saloperie de zombie! Oui! Nique-toi! Nique-toi, tu pues la merde, là! Je vous en parlais dans les titres. Ce mardi 17 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Le but, c'est de sensibiliser et prévenir lors de cette date qui est symbolique. Le 17 mai 1990, l'homosexualité est retirée de la liste des maladies mentales de l'Organisation mondiale de la santé. Dans les Yvelines, pour parler de ce sujet, on a choisi le théâtre et on en parle justement avec mon invité Éric Marty. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur, comédien, metteur en scène d'aventures artistiques, production qui est basée à Verneuil-sur-Seine et vous signez. Et si on se dit et tout, c'est une comédie qui parle de l'homophobie et qui est en tournée en ce moment. On regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. La cousine Paulette. Quoi, la cousine Paulette? Elle est lesbienne. Ah oui, mais elle est pas homo. Patrick, pour les femmes, on dit lesbienne. Elle a mort une femme, oui ou non? Oui, je crois. Ça recommence. Mais oui, sans doute. Mais qu'il soit amoureux d'un homme ou d'une femme, ça ne change rien. Ah si, ça change tout au contraire. On parle donc d'homophobie avec le prisme de l'humour, on va en parler dans un instant. Déjà un pitch sur cette pièce, il y a 2 personnages, on va suivre les aventures de Carole et Patrick, c'est un couple ordinaire et qui n'est pas encore marié, c'est ça? C'est ça, c'est un couple totalement ordinaire, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, tout va bien, sauf que y a des mensonges au sein de ce futur couple, puisque Carole n'a pas dit à Patrick qu'elle travaillait pour le refuge qui héberge les jeunes homosexuels, et pour Patrick qui pense que c'est un refuge pour animaux. Donc déjà ça pose problème, et en plus le frère de Patrick est lui-même homosexuel, mais ça il ne le sait pas, parce que ce jeune frère, Gilles, a été mis à la porte de chez eux, de leurs parents, il y a 5 ans, et quand ils se sont retrouvés, il n'a pas voulu noircir le tableau, comme il dit, et donc il a menti, il n'a rien dit, il y a toute une histoire, les parents ont menti évidemment, donc Patrick ne sait pas que son frère, son jeune frère est homo, et ne sait pas donc que ça... compagne travaille pour le refuge, donc forcément quiproquo, et on découvre très vite que Patrick est un peu homophobe. Comme il dit, il a des problèmes avec les gays. Et donc 2 personnages pour rentrer dans cette histoire, c'est Carole et Patrick, et aussi le personnage de Gilles, 3 personnages dans cette pièce en tout. Trois personnages, je voulais une comédie plus réduite en personnages. Voilà, tout tourne autour de ces 3 personnages qui se mentent finalement. Et alors il y en a 2 autres qui n'apparaissent pas en scène, oui. C'est la future belle-mère, Janine, qui est très présente, puisqu'elle appelle 3 fois par jour,
elle vient 4 fois par semaine les embêter, grande dame de Patrick. Et puis il y a l'ancien petit ami de Gilles qui veut absolument lui parler tout au long de la pièce pour lui dire quelque chose d'important. On découvre à la fin, tout à la fin, pourquoi il veut vraiment lui parler personnellement. Tout le monde essaye de lui parler directement, de savoir ce qu'il veut, et finalement on découvre à la fin le poteau rose, voilà. Elle aborde donc la thématique de l'homophobie avec humour. On met la partie humour de côté, mais déjà, pourquoi choisir de parler de l'homophobie avant d'en parler avec humour, justement? Alors, toutes mes pièces, c'est la quatrième que j'écris, toutes mes pièces ont un fond social. Je voulais, voilà, donc l'avant-dernière, Et ta mère, on en fait quoi, qui est actuellement aussi en tournée, c'était sur la dépendance, les EHPAD, le scandale, etc. On est encore déjà dans l'actualité. Et là, celle-ci, je voulais un thème qui soit un peu plus fort, parce que je voulais surtout un peu plus d'émotion. Donc déjà à l'écriture, je voulais un peu plus d'émotion, parce qu'en tant que comédien, j'avais déjà ressenti dans ma toute première pièce que passer du rire aux larmes, de prendre les spectateurs comme ça, d'une réplique à une autre, entre la comédie et tout d'un coup le drame, parce que l'histoire de Gilles, parce qu'il a été mis à la porte de chez lui, de chez eux, et même pas du jour au lendemain, c'est le soir même, le père a lancé toutes ses valises à la porte, et voilà. Donc je voulais quelque chose de plus, qui est un mélange d'émotion et de rire, mais c'est avant tout une comédie, on rit, voilà. Mais justement, comment on en parle avec humour de ce sujet? C'est très simple. Dans l'extrait qu'on vient de voir, voilà, on découvre que Patrick est homophobe, et donc ça pose évidemment problème, et en même temps, on va creuser, voilà, donc à travers le rire, parce que le couple, il se déchire, c'est comme tous les couples. Donc la femme, la Carole, va essayer de le... Alors, elle fait beaucoup de gaffes, surtout, donc elle a tendance à lâcher un peu le morceau assez facilement. Donc forcément, il y a du rire, parce que le public est complice. Le public sait très vite que Gilles, le petit frère, est hypochondriaque et homosexuel. Évidemment, il sait très bien aussi que Patrick ne le sait pas, ne sait rien du tout. Quand on parle du refuge, forcément, c'est les rires. Voilà, donc à travers le rire, on passe un message. On arrive plus facilement à faire passer des messages. Là, c'est l'acceptation des autres, voilà, et des différences. C'est-à-dire que le public est scotché, quoi. On rit vraiment, et puis tout d'un coup, on raconte à travers les deux frères, qui à un moment s'expliquent, parce que c'est la belle-mère qui va faire la gaffe, on raconte la vraie histoire, ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Et là, tout d'un coup, paf, on passe pas dans le drame, mais dans l'émotion. On a eu des retours de spectateurs qui avaient la larme à l'œil. Donc c'est ça, c'est la surprise. C'est du rire à l'émotion en une réplique. Et comment vous est venue l'idée, les origines du projet, ça remonte à quand? Comment ça s'est concrétisé? Ça remonte au dernier confinement. Qui a été une période inspirante pour certains auteurs, moins pour d'autres. Pour vous, c'est à la fin de chaque représentation de ma précédente pièce, Et ta mère, on en fait quoi, tous les organisateurs venaient me voir en disant, mais alors la prochaine. Et puis je leur disais, vous savez, entre le confinement, les couvre-feux, etc., j'ai pas trop envie d'écrire des comédies, notamment parce que moi j'écris que des comédies, même s'il y a un fond social. Et puis finalement, au dernier confinement, en décembre 2020, j'avais du temps, le sujet, c'était un sujet porteur pour le coup. Même si les choses ont évolué, il y a quand même encore beaucoup de travail. Je me suis mis à l'écriture, ça a été assez rapide, il a fallu trouver une distribution. On est en résidence, vous savez, on a la chance d'être au théâtre de Verneuil-sur-Seine, l'espace Maurice Béjart. Bon, voilà, tout ça s'est un peu concrétisé assez rapidement, mais finalement, le thème était quand même très, très porteur. Puis j'ai eu des retours de gens, je travaille dans le milieu artistique. En plus, elle a été jouée pour la première fois le 27 mars dernier. Tout à fait. Quels sont les retours? Ils ont été plutôt bons? Ils ont été excellents. On avait fait une petite avant-première en mois de février, avant-première test, et déjà, le public nous criait bravo à la fin, ce qui ne nous était jamais arrivé dans toutes les tournées que j'ai faites. Et le 27 mars, pareil, à Verneuil-sur-Seine, pareil, des bravo à la fin, des gens dans le hall, notamment un monsieur, ça m'a marqué, qui me dit très sérieusement, le message est bien passé qu'il me fait. Alors, je ne sais pas s'il avait des choses très personnelles derrière ça. Et puis, on a eu aussi des retours de gens qui nous ont dit, j'étais ému, l'alarme n'était pas loin, etc. Voilà. Ça poussait à la réflexion, c'était aussi le but de cette pièce. Est-ce qu'elle va être jouée dans d'autres villes des Yvelines, peut-être d'autres villes de France? Alors, j'aimerais bien, je vous mentirai en disant que j'ai plein de dates, j'ai plein de pistes, mais pour l'instant, rien de signé. Donc, si vos téléspectateurs ont des propositions, qu'ils n'hésitent pas, parce que c'est très dur, la culture, en ce moment. Depuis janvier, on s'aperçoit que c'est vraiment très, très difficile. Donc, j'ai beaucoup de pistes, rien de signé. J'espère que le sujet n'est pas rébarbatif. J'espère pas, en tout cas. Ça reste une comédie, on rit évidemment beaucoup, le public il prend ce qu'il veut, si le message passe très bien, s'il y a une seule personne, des parents qui s'aperçoivent que leur enfant est un peu différent,
Ils se poseront peut-être des questions, parce que l'histoire de Gilles qu'on met à la porte, c'est quand même très dur. Heureusement qu'il y a justement l'association Le Refuge. Voilà, donc la promo, là, on part sur Avignon. Enfin, pas nous, mais le festival va se faire. Donc, on relance toute la communication en septembre. Et le message est passé. On retrouve peut-être toutes les informations sur le site d'Aventure Artistique Production, hein, qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Eric Marty d'être venu parler de cette pièce en plateau. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes l'auteur, le comédien et aussi le metteur en scène, hein, de cette pièce. Et si on se disait tout ? Dans le reste de l'actualité, ce chiffre, 6872, le nombre de chefs d'entreprise qui ont perdu leur activité professionnelle en 2021 en Ile-de-France. C'est l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs qui le révèle. Dans le détail, cela concerne dans les Yvelines 412 entrepreneurs. Même si ce chiffre paraît élevé, il est en baisse par rapport à 2020, moins 10,9%. Les chefs d'entreprise seniors ou ceux exerçant dans les secteurs de la construction et du commerce sont les plus impactés. Politique à présent, les élections législatives sont au programme les 12 et 19 juin prochains. À gauche, les candidats yvelinois de NUPES ou NUP, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, ont été présentés il y a quelques jours à Guyancourt. L'occasion de faire le point sur le découpage des circonscriptions yvelinoises pour l'Alliance avec Bichente Mayen-Santisteban. La NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, est en campagne dans les Yvelines. Les 12 candidats sont aujourd'hui connus grâce à un travail débuté avant l'officialisation de la découpe nationale. On a eu ce réflexe d'aller bosser ensemble, de réfléchir déjà à la question des suppléants, comment on pouvait renforcer nos campagnes les uns les autres. Et ce soir, je me réjouis que presque toutes les sensibilités des Yvelines étaient présentes. 12 circonscriptions pour 5 formations politiques différentes, les trois quarts issus de la France insoumise. Une union gage pour certains candidats de découvrir ou redécouvrir le territoire yvelinois. J'étais étudiant à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Je suis très content, plus de 10 ans après, de revenir, cette fois en candidat à une élection, et en disant, si vous m'élisez, si vous choisissez une majorité de la nouvelle Union populaire à l'Assemblée nationale, si Mélenchon est Premier ministre, eh ben on va donner les moyens aux jeunes de pouvoir faire des études. Vous savez, quand on est militant politique, on est partout chez soi pour mener les combats, parce qu'en réalité, aujourd'hui, sur la 8e circonscription des Yvelines, je suis le seul candidat qui propose de défendre la retraite à 60 ans à l'Assemblée nationale et qui sera présent pour mener toutes ces batailles pour la justice, pour le climat, pour la démocratie. J'ai trop longtemps entendu les gens se plaindre de la désunion et puis c'était répété. On prouve le contraire, tant mieux. Horizons différents et profils différents, la parité déjà avec 6 femmes et 6 hommes, mais aussi la jeunesse, en témoigne Victor Payac, 20 ans. C'est la diversité. Et c'est l'espoir, en fait. C'est la diversité de tous les profils de cette union des partis de gauche écologistes. Et c'est l'espoir de ce troisième tour et de dire ça y est, on peut peut-être vraiment changer les choses. Un autre monde est encore possible. La force, c'est le programme. L'union, elle s'est faite autour d'un programme. Et on donne aux électeurs et électrices une perspective de victoire qui est crédible et qui est sérieuse. La NUPES, c'est un programme mis en commun, mais aussi un combat contre la majorité présidentielle. Je suis candidate pour prendre la place de Béatrice Piron. Elle a voté tout ce que lui a demandé de voter Macron et c'est tout. C'est en fait la députée macroniste de base. Donc moi, mon objectif, c'est de prendre sa place pour porter la voix de tous ceux qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Il nous faut, comme un grignon, dire stop. Un autre monde est possible, quelque chose d'autre est possible, où nous pouvons tous ensemble vivre mieux. Les Français doivent voter, s'exprimer. S'ils veulent un changement de politique dans ce pays, il faut qu'ils viennent voter. Cette volonté de cohabitation entre Assemblée nationale et gouvernement portée par les candidats NUPES aura la réponse du peuple dans moins d'un mois. Verdict les 12 et 19 juin prochains. C'est nouveau dans le département. La commune de Benne a signé un dispositif, une convention plus exactement, avec EcoGarde. Ce partenariat va permettre de créer, de recruter le premier EcoGarde communal dans les Yvelines. Quelles sont ses missions? Sensibilisation ou répression? Les précisions de Mathilde Franco. Le recrutement est en cours depuis plusieurs jours. Après avoir signé une convention avec le dispositif EcoGarde, la commune de Benne souhaite s'investir davantage dans la préservation de l'environnement et recherche son futur EcoGarde communal. C'est la première ville des Yvelines à franchir le cap. Ça fait plus d'un an que je travaille sur le sujet.
J'avais quand même de bonnes espérances, mais aussi vite, je ne pensais pas. Et là, je suis très, très fier. Je ne suis pas tout seul à être très fier. J'ai mon équipe aussi qui est derrière, qui est très fière. Ça va aller dans la continuité et ça va pérenniser le poste, l'idée. Et puis, ça n'empêchera pas qu'il y ait toujours ce système bénévole, loin de là. On sera toujours là. Mais du coup, ça va appuyer. Et comme le disait Marie Malfait tout à l'heure, voilà, ça fait aussi des contacts aussi plus fixes. Pour un ensemble de choses et d'actions. En complément de la police municipale, l'éco-garde agira surtout sur tout ce qui touche à la protection de la nature. Si son rôle est avant tout de sensibiliser et de valoriser les espaces naturels de la commune, il aura aussi la possibilité de verbaliser les incivilités. Alors, l'éco-garde, dans le dispositif, il a une de ses missions, c'est surtout aller au contact des gens. Et c'est vraiment un ensemble entre on a de la surveillance, on sensibilise les gens. On fait beaucoup de pédagogie aussi, voilà, c'est beaucoup d'accueil public et puis dire aux gens ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Si ça pouvait être déclencheur au niveau du département, alors là, bravo. Y a d'autres communes ont des conventions, mais n'ont pas forcément un personnel qui sera embauché spécialement pour ça ou formé pour ça. Et nous, on a la police municipale, on a un des postes qui a été réservé pour ça, sur quatre. En fait, on montre la volonté, si vous voulez. Le nouvel éco-garde aura aussi pour mission d'être le référent en lien avec les brigades de gendarmerie dans le cadre du protocole Jean de Vert. Cet outil de discussion en ligne permet notamment aux élus de la commune de signaler des dépôts sauvages. Trappe rend hommage à Samuel Paty. Samedi dernier, la ville a inauguré un jardin portant le nom du professeur d'histoire-géographie tué le 16 octobre 2020 par un terroriste à Conflans-Sainte-Honorine. Il est situé au cœur du quartier des Merisiers, rue Gérard-Philippe. La volonté est d'en faire un îlot de fraîcheur avec la plantation de 28 nouveaux arbres. Des espaces de jeu y sont également installés, aires pour les enfants, tables pour jouer aux dames, pergola avec brumisateur ou encore agrès de fitness. Attrape toujours, une nouvelle association vient de s'implanter, Faites le Mur, créée en 1996 par Yannick Noah. Elle vise à développer l'insertion et l'éducation par la pratique du tennis chez les jeunes des quartiers prioritaires. La journée de lancement s'est déroulée samedi dernier au complexe Youri Gagarine. Au programme, stand d'insertion professionnelle, stand d'éducation alimentaire et une découverte du tennis fauteuil et de l'urban tennis. Au programme et au total, une centaine de jeunes étaient présents sur la journée. Un projet en partenariat avec la municipalité de Trappe qui vise à rendre le sport accessible à tous. On écoute les propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. Sur l'initiation tennis, on a déjà une vingtaine de jeunes qui reviennent chaque semaine parce qu'on a déjà commencé des séances hebdomadaires en amont de ce lancement officiel. Et on a des jeunes qui sont déjà intéressés par l'arbitrage, qui sont déjà intéressés par le ramassage de balles. Donc peut-être des jeunes qui seront à Roland-Garros dans quelques années. On montera en puissance à la rentrée de septembre. On ira viser les 16-25 ans avec une dimension qui me tient à cœur également. C'est la dimension liée à l'insertion professionnelle. Comment est-ce qu'on utilise le sport, le tennis en particulier, pour remobiliser des jeunes qui sont décrocheurs, qui ont des difficultés d'insertion, qui n'ont pas forcément de diplôme, pas forcément de travail, qui se cherchent dans la vie et qui pourront, avec un coaching, un accompagnement spécialisé, un accompagnement social aussi avec l'association de prévention spécialisée, pouvoir reprendre confiance en eux, pratiquer cette activité sportive et demain, j'espère, trouver un job. Et avant de vous laisser, c'est un rendez-vous traditionnel tous les ans. La nuit des musées a pris place dans divers lieux culturels de France. Pour cette occasion, le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye a ouvert ses portes gratuitement le 14 mai. Retour avec Céline Charles et Patrick Jacques de Dixmude. Entrer dans la cour du château de Saint-Germain-en-Laye avec le rythme de la batucada brésilienne et se laisser guider par les ombres et lumières, c'était la proposition réussite du musée d'archéologie nationale de la ville. Pour la nuit des musées 2022, plusieurs animations étaient au programme avec un accent cette année sur le célèbre dramaturge Molière. Le château abrite, comme ce que vous pouvez entendre derrière moi, de magnifiques scénettes qui ont été réinterprétées par une troupe de comédiens grâce au théâtre Alexandre Dumas. C'est un partenariat qui nous permet de faire revivre quelque part ces comédies créées directement au château de Saint-Germain-en-Laye. On a présenté Monsieur de Pourceaugnac, qui est une comédie ballet. Après, on a présenté Les Fourberies de Scapin. Ensuite, La Jalousie du Barbouillé, qui est une petite farce en un acte. Et on a fini avec Le Malade Imaginaire. C'est une de ces soirées comme ça, un petit peu avec de la magie dans l'air. Et puis de l'énergie qui nous est donnée par ces acteurs, c'est fantastique. Et Molière, quelle modernité! Ça redonne envie de redécouvrir Molière. Incroyable. Un extérieur festif qui mène à la visite du musée d'archéologie nationale. Depuis plusieurs éditions, des médiateurs étudiants en partenariat avec l'université Paris-Dauphine et l'école du Louvre sont présents dans chaque salle pour guider le public. L'occasion pour les petits comme pour les plus grands de découvrir autrement les lieux.
C'est aussi une expérience pour nous d'apprendre à présenter en fait des vestiges archéologiques que même nous, forcément, on n'est pas forcément spécialistes dans la matière. C'est pas vraiment notre domaine d'action prioritaire. Du coup, on apprend en fait ce soir à faire ça. On n'a pas affaire à des spécialistes de l'archéologie, mais vraiment à des étudiants qui ont envie de partager un moment avec les gens qui déambulent dans les espaces. Et donc partager aussi leur coup de cœur dans ces différents espaces. Très intéressant, très enrichissant. Il y a des guides dans toutes les salles du musée, du coup c'est encore plus prenant et compréhensible pour nous. Le château a été construit par rapport à la chapelle qui était déjà existante depuis des siècles et des siècles. Et ça nous fait découvrir vraiment l'histoire de la France. Dans un cadre idyllique et avec la magie de la tombée de la nuit des musées au Musée d'archéologie nationale est un événement qui attire chaque année son public. Près de 2500 personnes ont répondu présents ce soir-là. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, le 7-8 Culture présenté par Célia Gatsongo. Belle soirée avec TV78.